c'est que je filme là. Coucou tout le monde, j'espère que tout va bien. En tout cas, moi, aujourd'hui, ça va super. Aujourd'hui, je retrouve pour une nouvelle vidéo. Bombe de bain. Exactement. Coucou tout le monde, moi aussi, je vous fais un gros coucou. J'attends d'avoir un petit moment pour pouvoir parler parce que Cindel parle beaucoup. J'ai pas beaucoup de moments. Alors du coup, comme elle vous l'a dit, on va faire des bombes de bain, mais pas n'importe lesquelles. Les bombes de bain de Pyjama Party de Studio Bubble Tea. On remercie Kélis, Athéna et Mickaël de nous avoir envoyé cette boîte. Vraiment un grand merci à eux. Et voilà la boîte de Pyjama Party. Alors on est vraiment vraiment très contente de le faire, Cindel. Oui. Ouais. Je suis très contente de le faire. Alors du coup, contente et fière parce que je sais pas si vous l'avez vu il y a très longtemps de ça, c'était au tout début de notre chaîne, on avait fait la vidéo de la... Tu te souviens? Créapâte. Exactement, de la créapâte. Et on avait été les premières à la mettre sur YouTube à quelques heures près. On avait été les premières et juste après, je crois que c'était Ellie Magic World. Bon, évidemment, à part Studio Bubble Tea qui avait fait avant, mais ça c'est normal. Mais voilà, on était très fiers d'avoir trouvé la boîte, d'avoir fait la vidéo. Et on voulait absolument faire cette vidéo-là. Et le changement qu'il y a, donc évidemment, ce n'est plus le même contenu. Hein, on passe sur un autre DIY. Oui, celui-là, on fait les bracelets, ouais, les bombes de bain et les parfums. Exactement, déjà, il y a trois choses à faire dessus. C'est quand même pas mal, c'est complet pour une pyjama party. Et le gros changement qu'il y a aussi par rapport à la première boîte de créapâte, c'est qu'il y a, il est où d'ailleurs? Ah, il est là, le dessin de Athéna et Kélis. Voilà, alors c'est pas vraiment un dessin, c'est plutôt une photo. Oui. Et on est très pressé de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oui. Alors c'est parti pour les bombes de bain. Oui, et pour ouvrir le paquet. Ok, c'est parti. Let's go. Alors je vous cache pas les petits copains et petites copines que moi j'ai déjà jeté un œil dedans. Dans le contenu pour voir justement les hop, les indications puisqu'il y a des produits vas-y tire un petit coup, il y a des produits à l'intérieur, ça, donc on va vous expliquer tout ça. Donc Kélis et Athéna, on vous met sur le côté et bien sûr là, le livret, voilà tout le contenu. On a encore Kélis et Athéna bien sûr qui ont d'ailleurs fait le shooting en vidéo, vous le trouverez à cet endroit là. On vous met le lien. Et la différence qu'il y a entre le paquet que vous avez eu tout à l'heure et le livret, ben c'est qu'il y a le petit logo là-haut de Studio Bubble Tea. Et si on regarde bien, ça c'est Cindel qui m'a fait remarquer. Athéna nous dit de vivre nos rêves. Alors c'est ce qu'on va faire. Il y a trois sachets. Alors là, il y a la clé, un bracelet. Un bracelet, oui. Alors ça, on a déjà testé. On vous mettra des photos sur Instagram. Voilà, je suis allée chercher très très vite le bracelet qui était dans la salle de bain puisque ce matin tu l'as enlevé pour le... pour je sais plus quoi. M'habiller. Avec le petit fermoir violet. Avec un petit fermoir violet parce que le violet est la couleur préférée de Cindel. Donc voilà le bracelet. Pff, je touche le bracelet pour... pour faire la mise au point, n'importe quoi. Voilà le bracelet que Cindel a fait la dernière fois. On va vous mettre des photos sur Instagram. Et donc là, comme elle nous montre, on a un sachet. Alors, il y a des choses qui se sont ouvertes, on va faire attention. Cindel, je te conseille de pas trop le secouer quand même, pose-le. On a un sachet pour tout. Donc là, c'est pour les bracelets. Créer un bracelet. Voilà. Ça, c'est les... ça, c'est les parfums. Les parfums. Et quand on avait trouvé ça, il y avait un... ils avaient un petit peu de trompette sachet. Parce alors, que... non, c'est ça. Les patchs, Cindel pense que c'est des autocollants, mais c'est pas des autocollants. En fait, hein, je vous explique vite fait. Ouais, les patchs, en fait, ce sont des patchs pour voir si vous êtes allergique ou non. Vous testez avec le patch, enfin, c'est indiqué comment on fait. On se colle le patch sur la peau et après, on vérifie qu'on soit allergique ou non aux produits qui sont proposés dans, dans la boîte. Je vais y arriver. Tu vas sortir le paquet dont on a besoin. Bombes de bain. Exactement, des bombes de bain. Tiens, moi je vais prendre alors, ça. Il y a la pipette. La petite pipette. Voilà. Le petit bâton. Les petits bâtonnets. Bicarbonate. Voilà. De sodium. Alors, du bicarbonate de sodium, exactement. Tous les petits récipients comme ça ont une protection. Le bouchon, vous voyez, il y a une sécurité, donc on est bien pour les tout petits, il n'y a aucun souci là-dessus. Je conseille à un adulte d'être présent. Amidon
de maïs. Donc là, l'amidon de maïs, je ne sais pas ce que c'est, moi. C'est plus connu sous le nom de maïzena, donc ça, aucun souci. Mais il y a quand même une petite protection sur le bouchon, au cas où. Et le troisième récipient. Acide citrique. De l'acide citrique. C'est ce qui va donner le pétillant de la bombe de bain. Boum. On a du colorant rouge. Du colorant rouge, ok. Et je pense qu'en fait, c'est comme dans les colorants alimentaires. Ça va devenir rose. Ouais, je pense aussi, oui. Alors, voilà, justement, Sindel fait bien d'en parler. Je pense qu'on peut aussi utiliser des colorants alimentaires, pourquoi pas. Les petites cuillères, pour mettre les petites pincées. Le moule. On a le moule. Et bien sûr, c'est pas ça, le moule, hein, c'est une partie. Voilà, le moule se fait en deux parties. Alors, toujours pareil, on peut se servir de ce moule-là, mais on peut aussi se servir de moules qu'on a à la maison, si on en a à la maison. Ce que vous devez rajouter, les petits copains, les petites copines, c'est... Un petit récipient. Voilà. Un truc qui fera l'affaire pour faire votre bombe de bain. Et ensuite, on aura besoin de... De l'eau de rose. Alors, nous, c'est ce qu'on va utiliser, mais chacun utilise ce qu'il veut. Oui, on peut utiliser de l'eau de rose ou alors du parfum. On y va, c'est parti. Lisa, je vais essayer de la... Alors, pour commencer, il va falloir que tu mettes 6 cuillères de bicarbonate. 6 cuillères normales. J'ai l'impression qu'elle est un peu penchée, la caméra. Je fais ce que je peux. 1, 2, 3, 4 et 5. Non, il en faut 6, hein. J'en ai mis 6. Ah bah, tu as dit 5. Donc, après vérification, effectivement... Il en manquait une. Exactement, il manque une cuillère, mademoiselle. J'ai toujours raison. Et donc, 6 cuillères de bicarbonate. Ensuite, il te faut 3 petites cuillères de fécule de maïs. La fécule, c'est la jaune. Tu peux y aller. En fait, c'est quoi du fécule? Alors, la fécule de maïs, c'est de la farine de maïs, tout simplement. Ah, donc on peut en manger, mais bon. Oui, j'en ai, moi, dans mes placards. Vas-y. Faut en mettre combien? 3. Donc ça, c'est la deuxième. Ah, bah elle reste au fond. Allez. Allez, cool. 2. Voilà. Allez, je récupère ce pot et tu mets l'acide citrique. Tu mets le même nombre de cuillères. C'est voilà, ça? C'est ça. Alors ça, c'est tout ce qu'il faut pas manger, l'acide citrique, c'est ça? Alors si tu manges ça, t'as la bouche qui fait de la mousse. Oh, il y a un truc à l'intérieur. Oui, c'est pour éviter que l'humidité rentre dedans. Alors, faut bien le remplir par contre, parce que là, tes cuillères, elles sont pas remplies. Ah, tu peux faire la... Alors, pas trop. Je vais te faire remplir. Alors, faut savoir que l'acide citrique, c'est aussi... Lili. Hop. C'est aussi ce qu'on utilise... Pour les bonbons qui... Pour les bonbons, il me semble. Oui. Laisse-le là. D'accord. Et le troisième. Trrr. Voilà, tu peux touiller, madame. Touille, là va ton brouillon. La trembouille. Comment on dit? Touille, ratatouille. Moi, ça fait penser au film Ratatouille. Je sais pas trop si vous connaissez. Bah oui. Oui. Allez, je pense que c'est assez remué. Et là, c'est la partie un petit peu délicate. On va mettre de l'eau de parfum. Et Sindel fait toujours... L'eau de rose. Fait toujours des catastrophes à chaque fois. Comme ils disent, on va mettre 6 gouttes de parfum. Je suis bien sûr. 1. Mais je fais pas parce que j'ai 2, un petit peu peur d'en mettre partout. 3. Et surtout, 2 fermes. Ah, il y en a 3. 4, 5, 6. Après, bon là on voit pas, ouais on voit un petit peu. Mais ça fait de la mousse, c'est normal, remue vite. Vas-y, remue. Pour l'instant ça sent bon, ça sent pas mal. Alors déjà, on commence à sentir, je sais pas toi Sindel, mais moi non, je commence à sentir. Il faut mieux être prêt. Franchement, ça sent très très bon. Il faut mettre combien de gouttes de colorant en fait? 2 ou 3, c'est comme tu veux. Vas-y, je pense que ça tu peux mettre. 2. Allez, vas-y. 3. Alors ça, c'est Sindel, et c'est jamais c'est décidé. Et après, il faudra touiller tout de suite. Vas-y. Touiller, ratatouille. 1. 2. Vous avez des yeux. Faut pas trop attendre Sindel, hein. Ah, 3. Voilà. Allez, tu peux touiller. On touille. Quand on ajoute du liquide à la bombe de bain,
C'est toujours un petit peu délicat parce que il se peut qu'on mette trop de liquide ou pas assez. Donc si c'est pas assez, c'est pas très grave, mais si c'est trop, c'est un peu difficile à rattraper. Et donc du coup, bah, on est obligé de refaire. Et à mon avis, ça va durer un peu trop longtemps. Ouais. Donc on termine de touiller ça et on se retrouve juste après. Bon, je pense que là on est bon. Je pense qu'on est bon, fais-nous voir. Ça sent trop bon. Ça sent bon ? Ouais, je le sens d'ici. Donc voilà, c'est un rose clair, hein. Comme on disait tout à l'heure, c'est quand même assez clair. Rose gold, et j'adore le rose gold. Ah bon, c'est rose gold, d'accord. Alors du coup, on va pouvoir remplir les petites boules de bain. Enfin, la petite boule de bain. Allez, je vais te la donner, je la mets. Voilà, elle se ferme très facilement, hein. Il n'y a rien de plus simple. C'est assez facile. Tiens, hop. Tu la remplis avec une cuillère. Bien évidemment. Sinon, tout à fait, madame. Sinon, je ne vois pas avec quoi je pourrais le remplir. Ouais. Voilà, et à chaque fois, tu tasses un petit peu. Donc, c'est assez facile à faire, hein, finalement. Il n'y a pas de complications. Et ça doit être le plus long, je dirais, que c'est les boules de bain. Bah, en fait, c'est le temps d'attente parce qu'après, une fois qu'elle sera terminée, il faudra attendre quand même un petit moment. Voilà. Donc, on remplit bien le moule. Et une fois que c'est rempli, on va la laisser tranquille pendant 5 à 10 minutes. On va la démouler et on va attendre. Et on va attendre quoi, une heure, deux heures? T'avais marqué, non? Ouais, non, j'ai pas trouvé là, mais je l'ai vu marqué, mais je sais plus. Et donc, du coup, on va attendre et puis on va la laisser sécher tranquillement sur un petit chauffage, un truc comme ça. Et puis après, on va l'utiliser. Alors voilà ce que ça donne, elle est remplie, on a mis tout ce qu'on avait, hein, on n'a pas rajouté. Donc là maintenant on va attendre 5 petites minutes, Sindel. Oui. Tiens. Et puis on va la démouler. Oui. Et par contre on va faire ça prudemment, donc je pense que je vais le faire moi. Et oui, puis on se reprendra après. Oui. C'est moi qui l'ai démoulé parce que j'ai trop peur que Sindel fasse n'importe quoi, comme c'est un peu la spécialiste. Oui, et moi aussi. Voilà. Donc alors, on vous montre une deuxième qui a été déjà faite et celle-là qui vient d'être faite. Donc ça nous fait deux boules de bain. Et ben moi je trouve que c'est plutôt pas mal et c'est plutôt réussi. Hein? Je crois que on est devenus des spécialistes en la matière. Alors qu'est-ce que t'en penses, Sindel? On va les tester. On va tester celle qui est déjà faite et puis après on testera l'autre quand elle sera sèche. Oui. Allez, prends-la. Allez, on vous emmène avec nous en salle de bain. Bon, alors Sindel, celle-ci, on va la tester dans le robinet, enfin dans le lavabo, hein. Ok. Parce que c'était un test. C'est parti. C'est tout bizarre. Wow, hey, génial. Et on a l'odeur qui se dégage, l'odeur de parfum de rose. C'est génial. Ça sent bon. Ça y est, elle a fondu. Alors, vous pouvez rajouter des petites paillettes, des choses comme ça, des petits trésors à l'intérieur. Et Sindel, je l'ai trouvé super bien. Tout à l'heure, tu prendras l'autre bombe de bain si elle est sèche ou alors on l'utilisera pour demain et tu feras ton petit bain avec. Oui. Ok. Allez, on va se sécher et puis on vous retrouve. Oui, tout de suite. On revient dans le studio maintenant. On a testé la première boule, Sindel. Oui. Ouais, donc c'était plutôt pas mal. Et celle-là, elle est encore mieux faite, je trouve. Hein, que maintenant qu'on a compris le principe, vaut mieux pas la toucher. Ne la touche pas, parce qu'elle n'est pas encore bien sèche. Et du coup, voilà, on va vous donner nos impressions. Sindel, quelles sont tes impressions sur la boîte Pyjama Party de Studio Bubble Tea? Comment tu as trouvé le jeu? Est-ce que tu as trouvé que c'était facile ou est-ce que c'était un peu compliqué? Entre les deux. D'accord. Moyen. Ouais, je pense que ouais, t'as trouvé que c'était un petit peu difficile, mais bon, c'est quand même faisable. Oui. Quand on est à côté de toi. Enfin, je parle pour les bombes de bain, hein, parce que les bracelets, t'as réussi toute seule. D'ailleurs, t'en as un sur le poignet. Là. Voilà. On est très contents de les avoir testées, ces boîtes-là. On est pressé de tester les parfums et refaire des bombes de bain. Moi, je suis assez pressée de faire. Voilà ce que ça donne. Maman. Oui. On les remercie infiniment. Oui. Pourquoi cette pyjama partie. Exactement, on remercie encore une fois Studio Bubble Tea de nous avoir envoyé cette boîte parce que vraiment, vraiment, c'est super sympa à eux. On continuera à tester les produits de Studio Bubble Tea parce qu'on adore Studio Bubble Tea, on adore Calice, on adore Athéna, on adore la chaîne, on adore, voilà. On adore tout le monde. Oui, ça veut dire Calice, Athéna, oui, on adore Mickaël, oui, bien sûr, mais c'est la chaîne de Calice et Athéna. Alors, on adore, voilà, tout simplement, je crois qu'il n'y a pas plus à dire.
Et en plus, Spindel. J'adore toutes ces vidéos qu'ils font. Et des fois, ils me montrent des attractions. Et je les trouve vraiment super. Ah, mais les attractions, c'est. Calice et papa, c'est des fous du volant. Hein. Ils font des trucs de fous. Les roller coasters et tout, c'est. Même pas, j'y mets un pied, moi, là-dedans. Je dis qu'ils sont hyper, hyper courageux. Ouais. Alors, cette vidéo, je pense qu'on peut la terminer maintenant. Oui. Hein ? On a à peu près tout dit. S'il manque quelque chose, je vous le mettrai sur Instagram, mais je crois pas. Voilà, à partir de 8 ans, accompagné d'un adulte. Une pyjama partie, comme il se doit. C'est génial. Il y a les filles sur la boîte. Enfin, bref. Voilà. Et c'est écrit derrière. Ouais, il y a tous les ingrédients derrière. Pyjama. Non, mais devant aussi, c'est écrit. Hein. Ouais, voilà. Les petits copains, les petites copines, je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo et je laisse Spindel conclure cette vidéo. A très bientôt. Les copains, les copines, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un max de bruit en commentaire, liker, partager et surtout abonnez-vous, ça nous fera toujours plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine vidéo et on vous fait des gros bisous.